Le travail sur les carottes s'explique par le fait que les ouragans, les tempêtes et les tsunamis laissent des traces sédimentaires dans les archives côtières, comme les lagunes par exemple. Une lagune est une étendue d'eau de mer comprise entre la terre ferme et un cordon dunaire. Il n'y a donc pas de courant et normalement aucun échange avec la mer. Néanmoins, la houle et le vent créés par une catastrophe naturelle détruisent le cordon dunaire. Il n'y a donc plus de frontières entre les deux milieux et un échange d'eau mais aussi de matériel sableux se crée. Tous les sédiments qui constituaient le cordon dunaire se retrouvent donc piégés dans la lagune, causant une modification des conditions de sédimentation. Ce sont ces traces que les chercheurs traquent. C'est à ce moment que Google Earth se révèle utile, en montrant où s'est rompu un cordon dunaire, après un événement climatique extrême, comme par exemple l'ouragan Irma. Une première mission s'est déroulée du 12 au 26 mars 2018 avec 5 chercheurs du laboratoire Editem, de La Rochelle, de Paris et du Bourget du Lac. Elle a permis l'échantillonnage de 39 carottes situées dans 5 îles différentes. Le fonctionnement du carottier est très simple. Il se fait manuellement grâce à deux poids de 4 kg situés en haut de l'objet cylindrique de 2 mètres de hauteur, que les chercheurs tirent puis relâchent pour qu'il s'enfonce dans les sédiments. Prenons un exemple. Ici, Maud a corrélé deux carottes de l'île Scrub Island. En orange, elle fait ressortir les lignes temps. En fait, elle surligne les événements ayant le même âge. Pour le même événement, la carotte 2 a un dépôt de sable plus fin que la carotte 1, car cette dernière se trouve plus proche du cordon dunaire. Lors de l'événement climatique extrême, cette partie de la lagune a donc reçu plus de sable.